Savoir. Aujourd'hui, on va faire un nouveau drama sur le cas de Florijana Ismaili. Qui est Florijana Ismaili? Florijana Ismaili est une joueuse. Sur le cas de Florijana Ismaili. Qui est Florijana Ismaili? Florijana Ismaili est une joueuse qui est née en 1995 et morte en 2019. Qui est Florijana Ismaili? Florijana Ismaili était la capitaine des Young Boys de Berne, suisse d'origine albanaise et serbe. Qu'est-ce qui s'est passé? Le samedi 29 juin, Florijana Ismaili a été victime d'une hydrocution sur le lac de Como en Italie et a été repêchée le 2 juillet 2019. Et les chances de la retrouver vivante étaient infimes. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était victime d'une hydrocution. Une hydrocution, ça regroupe la notion d'un choc thermique. Et ensuite de ça, elle aurait mangé avant de plonger et elle n'a pas attendu une heure avant. Et il ne faut jamais faire ça, mesdames et messieurs, parce que sinon tu peux faire une... Et j'espère pas pour vous, mesdames et messieurs, si vous mangez, vous êtes dans la piscine, faut attendre une heure. Et avec une amie, elle a loué un bateau pneumatique, souhaitant se rafraîchir, alors que le thermomètre affichait 33 degrés Celsius. Et sur le site internet du club, les joueurs vêtus du maillot d'entraînement qui est tout noir, les joueurs, les joueuses et le staff et l'entraîneur ont formé un grand cœur à sa mémoire. Florijana Ismaili était portée disparue à 16h30 et on l'a retrouvée le 2 juin morte. Et comme je vous dis, les choses étaient très infimes, comme Emiliano Sala. Et en plus, je vous prépare une vidéo sur Emiliano Sala qui arrivera très bientôt. Et aussi, elle a été trouvée à 205 mètres de profondeur grâce à un robot sous-marin piloté depuis la surface du lac. Elle a été pilotée par un robot sous-marin piloté depuis la surface du lac. Et celui qui l'a repêché, il a dit, j'ai trouvé son cadavre, il était très touché quand il avait des images sur Google et elle voulait... Il a dit que Florijana Ismaili aurait pu être sa sœur. Elle a été capitaine des Young Boys de Berne. Elle a été sélectionnée avec l'équipe nationale de Suisse pour la Coupe du monde féminine au Canada en 2015. Où la Suisse est arrivée jusqu'en 8e de finale, je crois. Elle a joué quelques matchs, je ne sais pas combien, mais c'est pour ceux qui savent, dites-moi dans les commentaires. Parce que pendant la Coupe du monde féminine 2015, j'ai pas trop vu les matchs de la Suisse. C'était plutôt France, États-Unis, Allemagne, Brésil. Mais en tout cas, Florijana Ismaili, elle avait que 24 ans. Elle avait une grande carrière devant lui. Et en tout cas, devant elle, excusez-moi, j'ai dit devant lui, mais devant elle, je pensais à Emiliano Sala parce qu'il y a des choses qui ont révélé, mais je donnerai des détails pendant la vidéo que je vous prépare. Et voilà. Bon, ça va être la fin de cette vidéo et je vous dis que mes prochains dramas, ce sera sur le Takil, Angela, Ginger et Tom Challenge, sur José Antonio Reyes, faut pas oublier, sur Neymar, l'affaire Neymar et après toutes les discussions au Barça et après le cas d'Emiliano Sala, enfin ce sera pas une vidéo drama ça, mais voilà. Et puis d'ici là, je ferai des vidéos pronostics sur la Coupe du Monde U17 qui se déroule au Brésil. Bon, ça va être la fin de ce drama, mesdames et messieurs, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu, un commentaire. Au revoir tout le monde pour de nouvelles vidéos, le mug de la Coupe d'Afrique bien sûr en retard et drama.